Et bonjour à tous, c'est Béné, on se retrouve pour un troisième épisode de The Witcher 3 Wild Hunt. Alors dans le dernier épisode, on s'est arrêté à ici, devant un forgeron. On est allé voir les Nilfgaardiens pour voir si ça vous est Yennefer. Toujours à la recherche de Yennefer. Donc voilà, on était dans une auberge, on n'a pas eu beaucoup de réponses, juste le fait qu'il fallait venir ici. Donc voilà, donc on va continuer, on va pas perdre de temps. C'est parti. Allez. Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, Votre Excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les Démériens, ont déjà prélevé leur tribu. 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Très perspicace. Bien vu. Geralt de Rive, sorceleur. Un va de guerre. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Vengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Oui, allez. Marche beaucoup. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Bon. On va demander des herbes spécifiques. Je vais avoir besoin de feuilles de merprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du merprin. N'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Mains en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non, j'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. En savoir plus sur le griffon. Savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord. Et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Ok, bon ben on va aller tuer ce griffon alors. Merci. Esouniak-tel. Bon ben voilà, alors finalement ce griffon on nous a engagé pour le tuer. Donc ben c'est ce qu'on va faire, donc il va falloir... Je vais d'abord interroger l'arboriste, donc je vais sélectionner la quête. Interroger l'arboriste. Au sujet du nerprin. Alors je vais appeler... Ah je peux pas appeler Ablette. Je vais appeler A. Il faut que je passe par là-bas. Donc quoi, ouais, le fameux griffon qui terrorise la région. Donc quoi, ouais, les griffons, dans mes souvenirs, ils sont pas très faciles. Ah, mais oui, il nous a montré le panneau de voyage rapide. Ablette est là. Allez.
C'est parti, Ablette, on y va. Donc voilà, on nous a engagés pour tuer ce fameux griffon. Donc comme je disais, je crois, il me semble que c'est pas facile de les tuer, les griffons. Et je sais plus trop, ça fait quelques temps que j'ai pas joué. Donc on va voir comment ça se passe. Donc on va aller interroger une herboriste pour essayer d'avoir du nerpre. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, par contre, ce que je voulais dire, c'est pour les fans de FIFA. Mika fait des vidéos sur de l'achat revente, sur des SBC. Ça peut être très intéressant pour ceux qui aiment bien FIFA. C'est toujours des conseils à prendre. Alors on va interroger lui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Des monstres des marais. Les villageois m'avaient prévenu que la route était dangereuse. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Cessez de geindre et donnez-moi plutôt des détails. Que s'est-il passé? En quoi je peux vous aider? Et n'oubliez pas, les sorceleurs ne travaillent pas à l'œil. Eh bien, j'allais vendre mes marchandises aux escadrons noirs quand mon cheval s'est emballé. Mon chariot s'est renversé, et moi avec. J'ai entendu un gargouillement, un hélissement, et puis plus rien. Quelque chose est sorti de la vase et a englouti Asher, avec ses sabots et tout. Mes marchandises sont restées dans mon chariot, mais j'ai bien trop peur pour y retourner. Je m'inquiète surtout pour une petite boîte. Rapportez-la moi, je vous en supplie. D'accord. Très bien, je vais aller voir si je peux trouver votre boîte. Bon, ben, vous doutez bien, comme dans beaucoup de jeux maintenant, pendant les quêtes principales, on va trouver des personnes à interroger, ou voilà, des quêtes secondaires. Donc, voilà, on va souvent être arrêté comme ça pendant une quête principale, à devoir faire une petite quête secondaire. Donc, on verra. Espérons qu'elle soit pas trop longue. Donc, on va aller voir ce. Alors, il faut que je sélectionne la quête, sinon. Marchandises précieuses, voilà. Donc on va essayer d'aller voir pour retrouver cette boîte. Donc là je me disais c'est pas si loin. Donc c'est où? Ah voilà. Donc là il y a une zone. On va descendre. Et on va regarder du sens du sorceleur. On va regarder si on trouve des choses intéressantes. Ah voilà, il y a des pas. Des traces de roues. Elles mènent vers les marais. Allez. Ça c'est très pratique, ce sens. C'est très très pratique. Ils ont repris ça aussi dans Red Dead Redemption, il me semble. J'ai pas trop joué à Red Dead, mais il me semble qu'ils ont repris ça aussi. C'est vrai que c'est une très bonne idée, c'est très pratique. Alors je suis la route. Par contre je suis la route, mais je... J'ai perdu les traces. Voilà le chariot. Ah, il est là. Le chariot est criblé de flèches. Le chariot est criblé de flèches. Je devrais inspecter les alentours. On va tout ramasser. Une flèche. Il ne m'a pas. On va faire attention parce qu'il y a des monstres. Des noyeurs. Il me semble que c'est des noyeurs. On va faire attention. Une flèche de plein coup. Joli tir. Soit le marchand a de sérieux problèmes de mémoire. Soit il m'a menti. Ouais, c'est bizarre qu'il y ait des flèches. Est-ce qu'on a retrouvé la boîte? Non. Elle est où cette boîte? Ramasser là. De l'eau. Ramasser une fleur séchée. Elle est où cette fameuse boîte? Il y a des trucs là, non? Non, même pas. Elle est où cette fameuse boîte? Des fois, faut chercher un petit peu quand même, c'est vrai que... Après, c'est bien, il faut, hein. Ça serait dommage que ça soit trop facile. Ah, là, il y a quelque chose. Ah, voilà, le coffre. L'immaculé de sang. Du sang humain. Est-ce qu'on tue ces monstres ou on va s'en aller, allez. Pas besoin. On va aller interroger ce marchand, lui rapporter la boîte. Parce qu'il y a des choses bizarres. Il y a des choses assez bizarres. Donc on va interroger ce marchand. Par contre, attends. Ah oui, il est juste là. Je vais
pas vu. On calme. On va descendre de Ablett. On va aller voir ce marchand, ce qu'il nous raconte. Et tout n'est pas si clair que ça. Alors, vous avez trouvé la boîte? Est-ce que je dois... Je dis qu'il m'a menti quand même. Oui, j'ai trouvé votre précieuse boîte. Et un homme ressemblant fort à un charretier, avec une flèche plantée dans le cou. Il n'y a pas de dryade dans ces marais. Et ni les noyeurs ni les gonodes n'utilisent d'arc pour tuer. J'en déduis donc que le coupable... Attention, derrière vous. Il n'y a rien derrière moi. Je suis sorceleur, je l'aurais entendu. Exactement comme j'entends votre cœur battre la chamade. J'espère que tu es meilleur cavalier que menteur. Bon, il s'en va, il va falloir le poursuivre. Allez, bon, ouais. Il a pas l'air très rapide. Ça, c'est bien. Voilà. Voilà, nickel. Pas si vite, tablette. Il faut que je le sorte de là. Debout. Même au triple galop, la vérité finit toujours par vous rattraper. Qui es-tu? Pourquoi as-tu attaqué ce chariot? Première classe, Yann Germer. Sixième division témérienne, deuxième régiment. Enfin, ce qu'il en reste. On se cache dans les bois. Ce chariot était un transport médical. Pas question qu'il atteigne les escadrons noirs. Surtout que... nos gars sont malades, ils ont besoin de soins. Laissez-moi partir et ils vivront peut-être assez longtemps pour libérer le Nord. Je vais te dire, le gardien d'Algor Park, tu peux partir, mais je garde les remèdes. Ouais. Tu peux partir, mais par contre, je te raquette. Je garde le remède. Mais je garde le remède. Les Nilfgaardiens finiront par vous tuer de toute façon. Ce serait du gâchis. Garde-le. Parce que c'est bien beau, mais je te laisse en vie déjà. Donc c'est déjà très bien. Après, on n'a pas à se mêler des affaires qui nous regardent pas, mais... Il nous a quand même menti, donc on a le droit d'être payé. On fait pas ça gratuitement non plus. Donc allez, on va aller chercher l'herboriste. En espérant que cette fois, il n'y ait personne qui nous arrête. Bon, après, c'est toujours sympa quand même, ces quêtes secondaires. C'est vraiment sympa. Après, faut faire attention parce que ces quêtes secondaires comme ça, si vous les ratez... elles sont échouées à jamais, donc il faut faire très attention. Il y a certaines quêtes comme ça, bon, certaines où il va falloir recommencer, mais d'autres quêtes où c'est loupé à jamais. C'est la fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidon, c'est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. Ouais, on charge du néprin. Je cherche du néprin. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le néprin pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter Saar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Un homme bien, je pense pas. Je pense qu'il aime l'ordre. Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé.
Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Alors, trouver du néperon dans le lit de la rivière à l'aide de vos sens de sorceleur. Donc là, vous voyez, c'est une arboriste. Elle a beaucoup de plantes. Donc on peut se servir. Hein. On va en prendre, on va en profiter au moins. Si jamais on peut faire des potions, on en fera. Ouais, ça n'arrive pas à ramasser. Plantain. Bon, allez, c'est bon, on y va. Vous voyez, par contre, ça c'est un peu bête. Faut toujours sélectionner quand on fait notre quête. On y va. Parce que sinon, là, vous avez directement le capitaine et on aura fait ça pour rien. Wow. Donc, allez, c'est pas très loin. Voilà, un cheval. Alors, oui, donc, cet arboriste. On espère la recroiser, parce qu'on la recroisera sûrement, je pense. Par où je passe? Ben là, vous voyez, par exemple, il y a une autre quête secondaire. On va voir ce qu'elle nous dit, ou ce qu'il nous dit. Ouais, je pense que cette arboriste, on la recroisera vu la conversation. Ah, alors. Vous avez perdu votre clé, madame? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais... La veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà, tipoque d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment, « Dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard ? Ou des baies de lilas ? Ou même un peu de charbon ?» Non, que je lui ai dit, « Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit ?» J'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la-moi, grand-mère. Je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Quelle histoire fascinante. Elle a une fin, par hasard? Avant l'eau, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne l'ai plus jamais revu. Lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autres. Vous voulez bien m'aider, mon garçon? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis, pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne. À croire que l'autre type est encore à l'intérieur. Allez. Un contrat sur une poêle. C'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. C'est assez bizarre. On va appuyer pour suivre la quête. Voilà. C'est assez bizarre. Je pense que si ça sent la charogne, c'est qu'il doit être mort. Alors oui, mais tiens, on parlait des signes. Et là, vous voyez, vous avez plusieurs signes. Donc, je sais pas si j'avais déjà expliqué. Irden, c'est une espèce de saut magique. Quen, c'est pour défoncer les portes ou désarmer les adversaires. Igni, c'est du feu. Ça fait une espèce de lance-flamme. Axie, voilà, c'est pour contrôler l'adversaire en bataille ou en conversation. Et Hard provoque un souffle qui est kinétique. Ah non, je me trompe. Quen, c'est un bouclier de protection. Et Hard, c'est pour désarmer les ennemis. Ou défoncer des portes comme ça. Donc on sélectionne comme ça et hop. Ouais, et voilà, on peut rentrer. Donc on va faire le sens du sorceleur. On va pas se priver de tout ramasser. C'est important. Parce que vu qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut revendre beaucoup de choses. Un cadavre. C'est très intéressant. Ça explique la puanteur. Ah ouais. Un monocle cassé. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Rien. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont dû se battre ou avoir quelque chose. Ah là, des pages arrachées. Non. Bah, des fois, on ramasse des feuilles
ou des pages comme ça dans notre inventaire. Et quand on les lit, alors monocle, on va d'abord faire ça. Et quand on les lit, ça nous rajoute des quêtes. Vous voyez? C'est ça. Non, ça c'est quoi? Objet requis pour accomplir une quête. Monocle en argent. Ah bon? Ah bon, ah bon. On va voir ce que ça sert, à quoi ça sert. Sélectionner ça. J'ai ramassé un livre, non? Il est où? Ce fameux livre. Normalement, il est là. C'est ça? Non, ça c'est la lettre de Yennefer, non? Ouais. Ah non, bah... Ah non, mais schéma, c'est vrai que ça se rajoute automatiquement. Oui, non, je dis des bêtises. Ouais, c'est pas j'arrache, il faut en ramasser plusieurs. En fait, ça nous donne des recettes pour faire des potions. C'est aussi des quêtes secondaires du jeu, il faut en ramasser un maximum. Alors, monsieur a pas l'air Cet bien homme, en forme. il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête. Donc, ouais, ça doit être soldat. Donc là. Ah, c'est pas la fameuse poêle? Ah. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle pour faire de l'encre et écrire des lettres. Vous avez trouvé la poêle? Ouais, ok. Quelques mots Original. brûlés. Quelques passages sont encore lisibles. Donc, et quand vous me donnez rendez-vous, serait bien gentil de vous pointer, bordel. Vous croyez peut-être que ça m'amuse de risquer ma peau et toute cette putain d'opération en restant planté comme un con pendant des heures. Bon, je laisse lire. Je lirai ça plus tard. Vous pouvez dire à votre seigneur. Non, donc je laisse lire et ceux qui veulent lire, ils mettent pause et c'est bon. Hop, Vous voilà. avez trouvé la poêle? Ouais, j'ai trouvé la fameuse poêle. Donc y a rien d'autre à ramasser, on a tout ramassé. Ça a l'air. Bon, on va rendre la poêle à cette madame. Je crois qu'il y a un truc. Allez. Voilà, madame. Tenez, votre poêle. Ma poêle? Elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille trogne dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente, apparemment. Et il a aussi brûlé des documents. Et l'autre type? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil, pas un mot au Nilfgaardien. Attendez! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Tenez, pour la route. Eh bien, c'est très sympa, madame. Voilà, encore une petite quête de résolu. Une quête. Bon, après, ça, c'est des petites quêtes basiques, hein. Il y a des quêtes beaucoup plus intéressantes, même si elle est courte, mais très intéressante. Moi, je la trouve très intéressante. C'est original. Par contre, oui, je me suis trompé. Voilà. Trouver du néperin. Voilà. Au galop, Ablette. Par contre, il faut traverser. Par où je peux traverser là? Ah, là-bas, non? Ah, voilà. Il y a un pont là-bas. On va aller traverser. Donc allez, on va continuer notre quête principale. Donc voilà, comme je vous dis, on va souvent être arrêté comme ça. Mais bon, après, ça fait partie du charme du jeu aussi. C'est très intéressant, sinon ça serait vide. Sincèrement, ça serait vide. Alors. Maintenant, il me dit qu'il est de l'autre côté. Ah, mais il faut que j'aille dans la rivière. Ok. Ok. Allez, hop. Allez. On va nager un peu. Donc là, on appuie pour faire le signe pour voir ce qu'il y a au fond. Pour aller au fond de l'eau. Comment on fait déjà pour au fond de l'eau? Ok, carré. Ah voilà, un air-point.
Nickel, d'une air prend. Je vais en prendre une autre, moi. Allez, on remonte. Voilà, nickel. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre aller directement de l'autre côté. Pas s'embêter. Ah, c'est là-bas. Ouais, ça fait un peu loin quand même. Allez, on va prendre Ablette. On va y aller avec Ablette. Allez, c'est parti. Ah là, il nous indique où c'est. Ça, c'est bien. Donc voilà, bon, donc ce let's play, ça va être un let's play assez long, je pense. On va essayer de faire un maximum de choses, même si on va pas tout faire, je pense. On va pas faire le jeu à 100%. Mais je pense qu'on va faire un maximum de choses. Parce qu'après, faut quand même découvrir... Ah, alors attendez, panneau d'affichage. Donc ça, les panneaux d'affichage, c'est pour des quêtes secondaires. On nous engage, c'est des contrats de sorceleurs. On nous engage des fois pour faire des quêtes. Alors on va voir, on va dans les quêtes. Alors d'abord, il faut aller dans l'inventaire. Hop, consommable, ok. Ah ça, faut que je les sélectionne parce que c'est intéressant, ça soigne. Ah bah c'est déjà fait. Ok. Alors objet de quête, voilà. Donc par exemple, on le lit. Bah après moi je le lis pas... Parce qu'après, c'est, tout est indiqué dans la quête. On les regarde, démon près du puits. Voilà, c'est des contrats qui vont se rajouter. Vous voyez, hop, après on va dans quête. Quête secondaire. Non, c'est contrat de sorceleur. Voilà, démon près du puits qui s'est rajouté. Et disparu en combat. Donc voilà, après les lettres... Les lire, bon, c'est pas que ça sert à rien. Mais bon, après, c'est indiqué au niveau de la quête. Vous voyez, à droite, c'est marqué en blanche-fer. Voilà, il donne un peu d'éléments, donc après pas besoin de tout lire non plus. Mais après si vous voulez lire, vous appuyez sur pause et vous pouvez lire au moins. Allez, donc ça c'est bon, c'est fait. Donc allez, on va continuer, on va avancer. Donc il y a un autre monsieur. Voyez, ouais, c'est quête. Alors il y a un nain. On va l'interroger un peu. Willis. Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. Tu fais cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, Mouti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout! Ouais, inutile de m'insulter quand même. Les insultes, ou votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects? Tout le foutu village. Un demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Et tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Étant l'unique armurier, il a bien fallu que je m'y colle. Cuirasse qui a bossé, fer à cheval, ce genre de bricole. Les nifs gardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. Imagine que je me suis enrichi sur leur misère, que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Personne ne me parle, ça crache sur mon passage, et maintenant ça. On me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Ne reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Oh, donc on lui a brûlé sa tanière. On va voir ce que... Voilà, alors quête. Donc voilà, c'est dans les quêtes secondaires. Climat incendiaire, on le fera plus tard, on va avancer un peu dans la quête principale parce que on se fait arrêter tous les deux minutes. Et au final on n'avance pas beaucoup. Donc on va continuer la quête principale. On aidera ce monsieur un peu plus tard. Allez, c'est parti Ablette. On va terminer le. Ouais. Ah. En avant. Allez. On va poser des questions à ce fameux chasseur. Je fabrique une foule. Je vais aller chasser. Allez.
Tout doux maintenant. Il y a quelqu'un ? Il doit être parti chasser. Ouais, donc on va voir où c'est qu'il est. On peut défoncer sa porte ? Non, je pense pas. On va regarder s'il y a des choses intéressantes. Ça, on va le prendre. Est-ce qu'il y a des indices quelque part ? Ah oui, des traces de pas. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. On va suivre les traces de pas. Ça aussi, c'est pratique. Hein. C'est vraiment pratique. Hein. Oh, vous vous doutez, tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui est important pour la quête. Et voilà, tout ce qui est en jaune, c'est un peu tout ce qui est secondaire, quoi, des trucs à ramasser et tout. Ou sinon, quand vous l'avez découvert, les choses en rouge, ça devient jaune pour vous indiquer que vous l'avez déjà découvert. Donc c'est vrai que c'est hyper pratique. Ouais, ce sens-là, c'est vraiment, vraiment bien. Ah, il est là. Mislav. Vous êtes Mislav. Chut. Vous avez entendu. Des loups ? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Ah, où avez-vous trouvé le corps des nymphes gardiens ? Où avez-vous trouvé les nymphes gardiens tués par le griffon ? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on couche dans le village ? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider ? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. Oui, pourquoi d'accord. Pas. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens. Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème. Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens... Ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. Bon, bah là, on va essayer de tuer ces chiens. Ah, ils sont là. Ah, nous, on y va un peu à la bourre, hein. Chiens sauvages. Ouf. Oh, ils sont puissants quand même. Hein. Voilà, là, juste pas mes carrés pour faire des attaques rapides. Après, les premiers combats, c'est surtout beaucoup de spam. Après, il y a certains combats contre les êtres humains, ça sera beaucoup plus technique. Après, c'est beaucoup de spam, là. Ah, il est où ? Ah, c'est bon. On va ramasser ce qu'ils ont sur eux. Viande crue. Voilà, hop. Allez. Ah ben... Vous le connaissez ? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Avant quoi ? Ah, je vais poser la question, on sait jamais. Avant qu'il me chasse du village. Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Est-ce que ça peut aller à une quête ? Ça moi peut aussi, je suis faire. Un monstre. Ouais, mais pas comme moi. Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider. Un quoi ? Un loup-garou. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. En général, il s'agit d'une simple malédiction qui... Non, c'est Florian, le fils du Seigneur. C'était mon amant. Un jour, l'éditeur nous a surpris dans l'écurie. Ils m'ont chassé, et Florian s'est pendu. Le Seigneur a commencé à boire, et le domaine est tombé en ruine. Voilà, vous savez tout. Je suis désolé. Bon. C'est l'histoire ancienne. Venez, je vais vous montrer où j'ai trouvé les nymphes gardiens. Ah, c'est sûr que pour un seigneur, avoir un fils homosexuel est... Et savez-vous ce que vous faites ?
En plus, les surprendre... C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Je n'apprécie pas trop, c'est vrai. Je le déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Allez, on va suivre Mislav. Donc oui, est-ce que ça nous a rajouté une quête ? Non. Non, 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 je pensais. Ouais, donc voilà. Donc on va le suivre, on va voir un peu. On va essayer de tuer enfin ce griffon, parce que là ça fait quand même déjà 35 minutes de vidéo. Donc on va essayer de tuer ce griffon. On y est. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Oui. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Mais le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Eh bien, j'espère pour moi aussi. Allez, on va chercher des... Les nids gardiens célébraient leur victoire. Et le griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang. Est-ce qu'il y a d'autres indices ? Alors... Ou pas ? Ah, ok. Un campement. Il n'y a que ça ? Il n'y a pas d'autres indices ? Ah, voilà. Ces empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Voilà, on va suivre les traces de pas encore une fois. Oh mince, j'ai sauté trop tard. Bon, c'est pas grave, on va ramasser ce qu'il y a là. Oh. Voilà. Allez, on va suivre les traces de pas. Ok. Je reviens vers mes pas. Oh là là. Catastrophe. Donc en fait. Ok. J'avais pas compris. Bon allez. Souvent, ce qui glisse facilement des fois. Alors, on va essayer de pas se louper. Voilà. Le nid du griffon. Ou ce qu'il en reste. Ouf. Voilà. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Des os. Le butin de quelques mois. Chevaux, chiens, humains. Pas de jaloux. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir... 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense. C'est un griffon royal. On va s'écarter. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif.
Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Je ne peux rien faire de plus. Ouais. Il faut que je parle à Vesemir. Et voilà, bah, ils ont tué la femelle du mâle. Ils ont tué le griffon femelle, donc ça a énervé le mâle. Et ça a créé un peu de la panique. Donc ce qu'on va faire, on va aller jusqu'à Vesemir et on va s'arrêter là. Parce que ça fait déjà presque 40 minutes. On va y aller à pied, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Hop. Donc on va voir, on va essayer de tuer ce griffon, mais bon après... S'ils ont tué leur femelle, enfin s'ils ont tué sa femelle en même temps, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, Mislav. Il nous aura bien aidé. Non. Ouais, il y a plein de feuilles, ça c'est bien. Regarde pas comme ça. Allez, on y est presque. Allez, là, la taverne. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires ou même un pouce bleu. Et comme je disais dans la vidéo, si vous êtes fan de FIFA, si vous avez besoin de conseils au niveau de l'achat aux ventes ou même des SBC, Mika fait des vidéos, des petites vidéos très très sympas et très très utiles. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, bye.